Ma femme Béatrice a temporairement quitté son poste au gouvernement. Elle va pas bien. Elle vit des moments difficiles. Ils ont arrêté de parler d'elle. Ils vont l'oublier. Les gens du coin respectent le malheur que vous traversez, M. Malinowski. Ça commence à me gêner un peu de jamais recevoir de réponses claires à des questions qui me paraissent légitimes. Je peux entrer? C'est vrai que vous avez une bonne à la maison? Allô, Béatrice, c'est moi. T'es un peu gênant de te voir comme ça dans la rue, à t'époumoner contre le système. Je fais la promotion de la justice sociale, de l'égalité et de la fraternité. Cher monsieur Malinowski, il est tout à fait légitime que la santé de Béatrice vous tienne à cœur. Je vous prierai de venir à ma rencontre. La vérité est que Béatrice est dans cet état à cause de vous, Boris Malinowski. Et seul vous, Boris Malinowski, peut l'en sortir. J'ai pas la force de jouer à ça. Même les plus forts doivent parfois poser un genou par terre. Yes? C'est ici qu'habite Boris. Je sortirai plus d'ici. Je reste avec toi. T'es beau, mon petit papa, quand tu piles sur ton orgueil. J'aime cette femme-là. J'ai envie d'être aimé par elle. Bien dormi? Je pensais pas dire un jour que j'ai honte. C'est quoi ces manifs-là? Bah, t'es pas con. La même qu'à chaque année. C'est contre la brutalité policière. Ton rendez-vous annuel, ça. Tu fais quoi, là? Tu marches, tu gueules? Vous avez vos slogans, vous cassez des vitres. Ça vient avec un discours profond, tout ça? Je perdrai pas mon temps à t'expliquer des combats que tu peux pas et veux pas comprendre. Ah ouais, c'est ça, ton vieux père de droite qui sert juste à payer tes cautions. C'est tout. Tu te bats pas, t'argumentes pas, tu m'expliques pas les grandes injustices du monde. Non. C'est un peu gênant de te voir comme ça dans la rue, à t'époumoner contre le système. Je fais la promotion de la justice sociale, de l'égalité et de la fraternité. Je pense que l'État doit intervenir pour garantir le respect des êtres humains, doit intervenir pour redistribuer les richesses, puis pour encadrer l'économie. Je pense que la police violente se militarise, puis je suis hors dans la rue pour le dire. Content? T'es sûrement incapable de comprendre ça, toi? Ah oui, c'est la grande classe, ta cassette apprise par cœur. On dirait une ligne de parti récitée par un bon petit soldat. C'est toi qui te militarises, ma belle. Je prends une douche, puis je me pousse.